Dossier chaud, peuple haïtien. Un avocat, sénateur Guy Philippe, a annoncé que, à partir de 7 janvier, pour arriver 8 janvier, qui vient là, Guy Philippe a rentré en Haïti. Il dit déjà, il y a un ordre de libération provisoire dans le que Guy Philippe bénéficie dans la justice américaine, peuple haïtien. Nouvelle ça, il fait trembler le département grand dans ce pays. Ça veut dire Jérémy. Moun Pestel après le téléphone moins 50. Alors m'a salué zami Pestel yo qui tande info beto en pile. Moun Pestel rele téléphone moins en pile. Yo di me fobeto, yo tande avocat Guy Philippe la parlé. Gade moun ki proche Guy Philippe qui annonce yo que papa yo a tourné nan jouk gen pou vin la yo. Yo di me fobeto, confirme pour nous comme on connaît que ou gen pile zami nan international qui mieux placé qui capable confirmer information ça pour vous. Et bien effectivement, aidez-nous confirmer l'information ça pour nous bien débuter li. Parce que Moun Jérémy, qui a souffert depuis 2 ans, justement, de l'année, il n'a pas capable de mettre ça. Il dit, évidemment, si Guy Philippe est là, pas de bien possibilité ça pour bandit, tu as pris en otage grand rentrée, grand sud pays, bloqué environ 5 départements. Moun Gredans annonce la couleur. Moun Gredans annonce que si zami yo, frè yo, cavalier Paul Kayo, camarade de combat yo, papa yo, à savoir Guy Philippe, ta va tourner en Haïti, et bien justement, yo croit que c'est tout peuple haïtien qui sou route pour aller en souffle. Et je kem toujours dit, yo répète, Haïti pas loin pour le délivrer. Et moi-même, moi toujours, rete confiant. Et par rapport avec bataille que m'a mené parce que pas oublier gon côté que m'té avec combat gon côté que m'yé pour le moment moi prend sent yon bagay. Moi mon bagay pi devant là moi di nou li chaque étape que me franchi dans quatre batailles ça moi di nou li et ben me di nou effectivement jour de délivrance pays d'Haïti a li pas loin qui délivrance lié c'est une série de monde qui prend pays en otage qui fait que Haïti pas ka respirer qui fait que ou même nous pas ka fonctionner bien dans pays a. Et mais justement, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous mettre tout ça au dehors. Parce que yo en difficulté. Moun yo en difficulté, ça qui passe, par rapport avec Bouad que Blanc bay là, ça vient mettre monsieur yo en extrême difficulté. Ça veut dire que, n'ego gen l'argent dans yo, yo pral pas ka fonctionner avec l'argent pièce côté. Mais go grand signal que m'a lancé bay haïtien Fransom qui vivent dans le pays d'Haïti. Qui gen l'argent dans Soje Bank? Qui est l'argent dans Unibank? Qui est l'argent dans deux gros banques dans le pays d'Haïti? Tenez bien forme avec ça. Si nous voulons aider, tête nous. Baille. Tête nous yon bourad, baille pays nous yon bourad. Avec bourad, ça que le Canada baille là. Ou bien pour devoir. Identifier qui banque, qui est de moun la donne qui est sanctionné, qui a alimenté gang, qui est dans kidnapping, qui est dans tout le monde dans le pays. Identifier qui banque. Moi, personnellement, en tant que Calbas Gandjol, m'a dit Jean-Lié, c'est la vérité que n'a parlé. Nous sommes dans yo, nous là pour défendre paysan yo, nous là pour défendre compatriotes nous qui passent misère, en bas griffon croule un assassin. Qui be un grand goût dans souffrance, dans chômage. Nous même bon Dieu pas nous possibilité ça. Nous résoudre problème ça déjà. Nous avons capacité pour nous capable réfléchir pour 5 ans pour 10 ans. Pour nous garder comment nous capable faire pays nous sortir dans ça que trouver là. Moi dit Aïssé Fomsom, moi frère zone dans Kalalou moi joindre que Gayon, un citoyen que le Canada sanctionné. Monsieur, c'est un Égyptien que monsieur y est. Non, monsieur, c'est Sherif Abdallah. Monsieur, c'est deuxième personnage en Soje Bank dans le pays d'Haïti. Monsieur, c'est deuxième patron Soje Bank, la Soje Bank. Eh bien, justement, par rapport avec sanction que le Canada baille, sanction, c'est pour moun kap alimenter gang. Financer violence dans le pays. Moun ki nan kidnapping, moun ki se pata, alors papa kidnapping, nan patron kidnapping, nan boss kidnapping, nan moun kap contrôler l'argent, kap comptabiliser l'argent kidnapping. Nan. Moun kidnapping, nan gérer, comme si gérer tout l'argent ça. Effectivement, nous avons facilité pour nous, ouais, Justin et Lucas, comme toujours Abdil, là. Kidnapping, nan, li pas fait comme ça. Il y a des moun kap gérer l'argent kidnapping. Nan. Il y a des gens qui ont géré l'argent kidnapping.
OK? Ça veut dire que je dis ouais, c'est des banques dans le pays d'Haïti qui ont géré gros l'argent ça qui c'est l'argent kidnapping. Je ne vais pas nous mentir. Je dis si chaque gagne dans nous qui dit si c'est 40 banques nous dans son jeu banque. Nous dit définitivement m'a pas des têtes moi. Je ne peux pas quitter ça ou gagne quantité l'argent ça dans mais encore. Je gagne 200 dollars dans banque nèg yo, je gagne 200 dollars, je gagne 300 dollars, je prends le prendre dans banque nèg yo. Je gagne 400 dollars américains, je prends le prendre. Je gagne 20 000 gouttes, 25 000 gouttes, 50 000 gouttes, 1 million de gouttes. Je prends le retirer dans banque nèg yo. Même si je retire step by step. Par exemple, je prends 15 000 gouttes, 20 000 gouttes, 30 000 gouttes, je fais tirer très bien, c'est banque lié. Je protège la tête, sauf que je prends le endroit quoi quelque part pour que je tout prendre la même. Ou font façon. Quand tu es un monde qui est haïtien, qui a un compte dans la banque de la banque, façon quitter un compte ça avec 0 dollar. Avec 0 dollar. L'opération ça, il n'y a pas capable de faire ça. Si vous allez pour craser le canon, vous pouvez le craser. Relève, il faut mettre 438-507-2732. Relève 565-542-95-47. Relève le numéro ça pour ne pas laver. Parce que le pays a les droits délivrés. Chérif Abdallah, son kidnappeur, son criminel, son assassin. Monsieur c'est directeur, alors monsieur c'est patron. Il est un patron influent la Société Banque de pays d'Haïti. Maître banque Société Banque, nous devons ça. Chérif Abdallah. Écoutez bien. Gola Gopal Tola encore que nos monsieur c'était un pile d'assassinat homme d'affaires haïtien Eric Jean-Baptiste. Yo le monsieur Edouard Bossan. Monsieur c'est patron Unibank. Son le patron Unibank encore. Monsieur, c'est patron ISO 5 secondes Village de Dieu. Monsieur, c'est patron Mano 5 secondes Village de Dieu. Monsieur, c'est patron Tilapli Grand Ravine. Monsieur, c'est patron Kilik Grand Ravine. Monsieur, c'est patron Bougoy. Alors, Bougoy dans Grand Ravine. Et monsieur, qui fait, monsieur, yo, mettez un annexe gang sous Canaran sous ce matelas. Nous, qui se fait qualité massacre ça, qui assassine 16 chrétiens vivants. Pendant qu'il a dormi la caillou, il a boule la caillou, vide la sou yo, crase la caillou, il a fait un massacre. Pas de droits humains qui pour documenter. Parce que, droits humains, soit disant dans le pays d'Haïti, travaille pour le légache pour vous sortir. Est-ce que nous là? Papa haïtien, nous prenons pas le pays. En pile, quoi déclaration faite? Avocat sénateur Guy Philippe annonce la couleur. Et que sénateur Guy Philippe est pour l'entrée dans le pays, il y a des bagages qui parlent fait là. Dans quelle émission ça? Nous avons des points que nous allons toucher ensemble avant. Nous avons des voix qu'on va tendre dans cette émission. Nous allons commenter et analyser ensemble avec vous. Mais on doit rester là. Parce qu'on pile qui choy pour le partager ensemble avec nous. Nous avons gagné ce temps dans le cadre de l'émission. Alors, débarquement, les Américains, dans ce pays, à côté de nous, sous la mer, nous faut comprendre que oh, ils sont bagages qui partent. Non! La population dit comme ça que son bagage qui est là dans la mer, qui sous la mer, il y a plusieurs personnes qui sont blessés. Ça, nous devons parler avec des gens dans pour nous connaître ce qui passe. Et nous devons partager ensemble avant tout ce que nous connaissons. Effectivement, dans l'émission, nous devons parler de Stanley Lucas qui va le faire devenir sous ça tout. Il est intéressant. Et l'autre bagaille, le commissaire Okaël, qui c'est Ronald Rich pour chacun connaît, il convoque un monde que le département d'État américain, le Canada, justement, sanctionné comme le monde identifié qui est un baron de drogue dans le pays d'Haïti. Non, monsieur, c'est Richard Lénine Hervé Foucan. Et bien justement, il faut comprendre que Hervé Foucan doit comparaître par devant paquet de la ville de Kay le 20 décembre qui vient là. Commissaire gouvernement invité Hervé Foucan pour qu'elle vienne répondre à une question dans ce qui est pour avec l'accusation ça, que les États-Unis d'Amérique avec le Canada fait sous l'io. En pile moun a questionné, moi te dit nous ça matin, hein? En pile moun a questionné effectivement, est-ce que commissaire gouvernement a des documents la mail qui cause li convoquer ancien sénateur là? Est-ce que les États-Unis d'Amérique passaient par couloir là ministère de la justice dans le pays d'Haïti et puis ministère de la justice passait par paquet de la ville de Kay pour que yo fait une arrestation en douceur sous ancien sénateur là et puis pour entrer pas de présence Mavel de Port-au-Prince
pour dire ou bien FBI m'a connait débarquer vienne prendre le pays d'Haïti pour rentrer aux États-Unis ensemble avec. C'est des questionnements. Mais sauf que comme nous c'est InfoBeto, nous là pour nous aider comprendre. Nous là pour nous informer ou. Nous là pour nous dire tout qui choy qu'on doit connaître ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous c'est médias en ligne. Et nous faisons le devoir pour que nous cherchions bonnes informations pour vous. Nous sommes pour avec dossier ça. Et bien justement, pour nous porter pour vous, devant pour tout. Dans le travail, dans l'office, en dedans de chambre, dans le salon de la caillou, et bien machine nous-mêmes. Parce qu'on t'a de nous tous côtés. On t'a de nous nos petits casques dans les oreilles. Nous saluons nous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, gens qui nous connaissent, c'est toujours un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous. Ça vraiment fait du bien. À chaque fois que je me connais, je viens partager un moment ensemble avec nous et que je me connais, nous allons réagir exactement avec les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Eh bien, oui, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit dans l'académission Panouan qui passait sous plateforme Panouan, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Parce qu'il est clair que, eh ben nous tendez, nous comprenons, nous apprécions ce travail-là, c'est normal pour que nous capables de gagner une réaction. Réaction pas nous, pas de l'autre côté que nous capables de faire, c'est exactement, côté déjà, toute famille, toutes amis plateforme là déjà commenté. M'a salué Zami nous, Cavalier Paul Canon, Madame Evelyne Louis. M'a salué où? M'a salué encore une fois Madame Evelyne Louis Zami nous. M'a salué Negesi Mamou. M'a salué Katie Love. M'a salué Jacqueline Michel, m'a salué justement Ayam Jovenel Moïse, Zami nou Cliff, bon bagay. M'a salué Lunes Fleuridor, bon bagay. M'a salué Martine, justement, quelque part, nous comprenons. M'a salué ou, en général, peuple haïtien, nous tout kap tandem la, kap gadem la nan moment. M'a salué, et justement, Jenny Baptiste, Long Island, bon bagay. M'a salué nous tout en général, qui toujours fait le devoir pour que nous participer effectivement avec nous dans l'académie ça qui passe chaque jour sous plateforme Panouan qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa parce que li intéressant ou même capteur ou même cap garder pour que nous baou salutation dans niveau que nous deux baoul parce que ou mérite li intéressant en pile l'amour pour nous et moi Christelle 121 salue ou Adolphe Saint-Fleur bon bagaille Anne Venice, me salue ou. Jeanne, qui toujours apprend de justice pour Madoval, me salue ou. Victoire, Augustin, me salue ou. Boubagay. Erline, Dumasse, me salue ou. Boubagay. Nicolas Isaac, encore une fois, me salue ou. Vous comprenez? Salutations en pile. L'Ovre Mi 2006, Boubagay, Zaminou, me salue ou. Ok, me salue nous tous qui présents dans l'académie. Et Marlene, Pierre, me salue ou. Boubagay. Me salue nous tous en général. Qui toujours fait effort pour que nous présentions l'académie sur ça. James Sanselise, bon bagay. Et Marie Ismaël, Sarah, ou comprendre, moi salue. Et Jeannette Joseph, bon bagay. Marie Saint-Fort, bon bagay. Nelline Alfanor, moi salue. Madette, et alors Forestma, bon bagay, moi salue. Papa ici, on a pour rentrer exactement dans le dossier cap domine actualité. Mais tout d'abord, maman petite Marie-Vente, cavalier Paul Kayo entravé, criminel yon entravé, gang yon entravé, les oligarques corrompus de ce pays, effectivement prennent un zip. Et mais ça qui passe là, moi m'en déjà pour ici, pour commencer, préparer ma lettre, mettre tête ensemble, commencer à réfléchir, faire des réunions entre nous pour que nous soyons capables de faire un plan stratégique pour nous débarquer dans le pays. Parce que, effectivement, business dans le pays d'Haïti, c'est les haïtiens qui prennent le fel, et c'est la diaspora haïtienne qui va gagner le leadership ça. Dans le pays pour que nous éviter diaspora haïtienne ou du moins des investisseurs à l'étranger comme si être étranger directement pour demander de venir investir dans le pays pour payer nous capable de sortir dans ça qu'elle trouve là parce que nous pas jamais un groupe monde qui sortit dans le pays avec une quantité de l'argent venir investir dans le pays nous un groupe criminel qui vient dans le pays qui touye président qui touye citoyen, qui boule moun, qui gangsterise le pays, yon fait kidnapping, yon fait qualité Zak Malhonnête pour capable de contrôler le pouvoir politique là, automatiquement le pouvoir politique là, le ça, yon va capable de faire tout, alors président signé, vieux contrat mal monté pour yon, pour yon contrôle la douane, pour yon contrôle la PN, pour yon contrôle effectivement tout port dans le pays et qui facilite yon, yon des ports privés pour yon rentrer bateau zamio, bateau cocaïne yon, et mais justement,
Là ça, yo fait Haïti servi yo espace yo kafou. Pour drogue passer sorti Colombie, rentrer en Haïti pour aller aux États-Unis d'Amérique. Peuple haïtien, dossier compliqué. Dossier compliqué, mais justement avec tête nous qui bien placé sous épaule nous, effectivement, nous capables aider pays à sortir dans ça que trouver là. Moi-même dis nous clairement, même j'en fous contact section 9 ville chaque jour. Nous gagnons une occasion en or pour que nous exploiter là pouvoir l'innommer peuple là pour le moment. C'est nous-mêmes qui avons joué là. C'est nous-mêmes qui pouvons capables prendre compte que pouvoir l'innommer nous. Depuis nous mettons tête nous ensemble là, nous définissons une stratégie claire. N'a pas que pouvoir dans nous. Parce que je dis Ariel Henry qui là, lui même pour tête lui. Lui dormi rêver, lui dit tête lui, ah mon pouvoir toujours. Demain si je vais dormir, c'est comme si Ariel Henry son premier ministre rechargeable. Mais c'est son premier ministre rechargeable que lié. Lui ou elle là je dis il par contre s'il a plat demain. C'est au même peuple qui quitte Ariel Henry là toujours sous libre. Qui cause ou qualité kidnapping ça toujours en dans pays là. M'espère que nous comprenons, m'espère que nous prenons responsabilité nous par rapport avec ça qui est là. Pour ça, Bitine. Tonton Makout en Haïti, il mérite juger. Justement, nous ne pas prendre ça, Tonton Makout, nous prenons les oligarques corrompus, criminels, assassins qui prennent payer ça en otage, qui mérite juger. Et peuple haïtien, je dis, il y a l'important pour que nous fassions un petit parler de ça tout d'abord, avant que nous recevions, invité nous, et ensemble avec vous, parce que nous prévoyons gagner Stanley Leka, j'en ai conclu ça. Effectivement. Mais tout d'abord, gagner un avocat qui a défendu Guy Philippe dans la Cour pays d'Haïti, qui fait une déclaration qui fait que le département Grand Anslan souke peuple haïtien. Moun Pestel, pas quitter téléphone moi en paix. Parce que yo dit, et Fobeto, est-ce que ça me donne assez ça? Ou quand ça m'a dit non, peuple haïtien. Et Guy Philippe te dit, pendant qu'il est en prison, il te fait déclaration ça. Il me débat bravo pour lui. C'est là que Philippe te dit comme ça que peuple en sous bataille. Peuple en paré pour le démarrer combat. Mais sauf que peuple en besoin yon monde de confiance. Peuple en besoin yon leader. Peuple en besoin yon monde qui pas trahir. Peuple en besoin yon monde qui prêt à assumer responsabilité à tous les niveaux. Et bien justement, Moun Gredans retourne avec déclaration que Guy Philippe te fait. Et bien justement, il dit, si Guy Philippe libéré, et bien justement, pays a, pour le connaître, une nouvelle. Alors, comme tu as dit ça, on l'autre style de bataille, population pour le sentir que, on l'autre air que vous avez respiré dans le pays. Moun Pestel rele m'en pile dans téléphone me salve yo parce que nous gan pile zami dans Pestel en pile zami dans Pestel parce que honnêtement nous même nous pas vraiment gè problème avec Guy Philippe et nous gon jaté nous ouais arrestation Guy Philippe parce que c'est régime privé qui t'arrête Guy Philippe nous connaît privé cité Lavalas c'est Camille Edouard Junior qui t'arrête Guy Philippe nous gon jaté nous ouais Camille Edouard Junior. C'est sous demande de Aristide, effectivement, il t'a arrêté Guy Philippe. Mais justement, nous ne connaissons pas le reste du dossier. Ça veut dire que nous ne connaissons pas tout le détail dans le dossier. Nous ne parlons plus loin. Mais effectivement, nous dit arrestation ça, justement, nous avons trouvé que nous ne comprenons pas. Est-ce que vous comprenez? Nous ne comprenons pas. Alors, en entendant ensemble avec moi, déclaration que un avocat Guy Philippe a fait, côté que nous avons annoncé, et bien justement, Guy Philippe prend une libération. À partir de 7 privé 8 janvier cap vini là et mis à rentrer dans pays d'Haïti Moun Pestel dit maman petite Marie Vente et Guy Philippe pas passe à terre c'est Matissan Guy Philippe pas passer c'est là dossier à tout facile là oui entendez non avocat là alors c'est là entendez comme nous l'avions dit tantôt à travers les médias et à travers les réseaux sociaux nous te promettre ça nous te dit sénateur Guy Philippe va rentrer dans pays très bientôt dans pile monde qui pas jam croire. Et il y a pile moun tou qui te dit que y a arrêté sénateur Guy Philippe, c'est pour une question de drogue. Ce que nous autres avocats, que nous te démenti, et nous te vin avec toute preuve, pour nous te prouver que sénateur Guy Philippe te prenne un complot. Et je dis, à travers pétition que nous te écrit au niveau OEA, au niveau l'ONU, nous te même écrit
protection citoyen, yon bat ba nou réponse. Jodi an OEA répond nous très positivement. Côté que yo ba l'état haïtien, yo ba l'état américain 90 jours pour yo vin avec preuve tangible qui fait que yo t'ai arrêté Guy Philippe, enlevé lui, séquestré et déporté vers les États-Unis. Et nous autres avocats nous t'ai toujours dit la défaite du droit est provisoire. Et très bientôt, après 90 jours, depuis que le fin est expiré, que OEA lui-même lui prend prendre des décisions pour lui demander non seulement l'État haïtien, ce que nous autres avocats que nous avons fait déjà, nous demander l'État haïtien pour dédommager le sénateur Guy Philippe. Et à travers la décision OEA se prend là, ils ont demandé les États-Unis, non seulement pour mettre le sénateur en liberté immédiatement, et ceci pour dédommager le sénateur. Et très bientôt, au cours du mois de janvier, nous pouvons le déplacer, nous avons fini avec le sénateur, c'est et sauf pour nous continuer la bataille, nous avons mené dans le pays. T'as dit ça, M. Dilawi? Je vais reprendre encore. Au cours du mois de janvier, nous pouvons le déplacer pour nous rentrer avec le sénateur, c'est et sauf. On continue dans la déclaration et puis nous avons intervenu. Ceci pour dédommager le sénateur. Et très bientôt, au cours du mois de janvier, nous pouvons le déplacer, nous avons fini avec le sénateur, c'est et sauf pour nous continuer la bataille, nous avons mené dans le pays. Est-ce que vous pensez que le sénateur est rentré là, il a toujours candidat au Sénat, comment, dans quel niveau la paix? Écoute, à travers le parquet tribunal civil, Jérémy n'a pas aucune plainte. Nous avons un certificat dans au niveau de la DCPJ, il n'y a aucune plainte qui vote contre le sénateur. Même au niveau parquet de Port-au-Prince, il n'y a aucune plainte qui vote contre le sénateur. Songez bien de dire, sur l'administration de Privert, il y a eu un complot pour enlever le sénateur. Parce que vous avez estimé que dans le niveau que le sénateur Guy Philippe a monté, dans le niveau que le sénateur Guy Philippe a fait politique, il faut que vous ayez Kembel. Et aujourd'hui, nous avons toujours dit, la défaite du droit est provisoire. Aujourd'hui, décision de justice là, est en faveur nous. Et nous allons continuer à mener la bataille au niveau tribunal de première instance de Port-au-Prince, afin que le sénateur a une justice que nous-mêmes n'avons demandé pour lui. Écoute ceci. OEA qui c'est organisation État américain. Haïti c'est un pays membre. Les États-Unis sont pays membre. Si vous même dans l'examen périodique, vous prenez une décision. Et décision que vous prenez sont décisions qui sont irrévocables. Nous sommes demandés pour mettre M. en liberté. Et vous demandez pour dédommager M. Pendant 6 ans que M. Fait passer dans la prison aux États-Unis. Donc, pas à sortir de là. Songez bien, m'a prédit nous-mêmes, bagarre encore. La justice élève une nation. Il n'y a pas de société sans loi. Automatiquement, que vous estimez que l'ordre était manifestement illégal, c'est tout à fait normal, je veux dire, qui était causé client préjudice, c'est tout à fait normal pour demander pour dédommager client. Mais est-ce que nous avons une liberté provisoire l'autre bord, sinon nous avons dit la prison? Oh, nous avons une liberté provisoire. Et le 6 janvier, le 6... Attendez bien. Journaliste demandé, maître avocat, est-ce que Guy Philippe a gagné une liberté provisoire l'autre bord? Avocat répond, oui, il a gagné une liberté provisoire. Et puis, suite, l'homme qui ça? Le 6 janvier, nous avons gagné tout document, on a mis déjà. Le 6 janvier, il a mis Guy Philippe en liberté. Et le 7 ou 8 janvier, reprend ça. C'est normal pour vous demander pour dédommager le client. Mais est-ce que nous avons une liberté provisoire à l'autre bord, sinon nous avons toujours dit la prison? Oh, liberté provisoire. Et le 6 janvier, nous avons gagné tout document, on a mis déjà. Le 6 janvier, il a mis Guy Philippe en liberté. Et le 7 ou 8 janvier, sénateur Guy Philippe a rentré dans le pays. Et ceci, n'a pas entré avec lui et n'a pas continué à mener la bataille. Et je dis là, nous avons une situation côté que le pays n'a pas dirigé. Il n'y a personne qui a fait rien pour payer. Maintenant, on va pas de ma finir là. On prend nos blocs qui sont près de 2 heures de temps. Pour qui ça? Parce qu'il y a pas de gaz. Sous prétexte que pas de gaz, il y a de gaz encore. Pour remonter le gaz. C'est parce que nous n'avons pas de dirigeants. Nous n'avons pas de monde qui a pensé pour nous. C'est pour l'une des raisons. Après retour, sénateur Guy Philippe, nous allons continuer de mener la bataille pour nous essayer de changer. Non seulement. Moun qui était autodéterminé, qui était voté sénateur là dans grand sens, mais aussi changer la situation moun qui a vu à travers 10 départements pays. Si l'État supposé dédommager le sénateur, sous qui forme, pour dire ça, c'est parti, il peut être pété seulement comme ça. Écoute. Prestation de serment son protocole. Et nous t'éclaire.
Nous dit au regard de notre constitution, au regard de l'article 247, je dis clairement, au cas où élection organisée en état, sénateur ou député qui élu automatiquement que KEP a délivré le certificat, lui automatiquement sénateur, lui entré en fonction. Lui pas besoin pour le mettre serment. C'est-à-dire que sénateur Guy Philippe automatiquement débat résultat, lui est entré en fonction. Donc, prestation de serment, c'est un protocole que lié. Je veux dire, si lui-même lui pas exercé droit, c'est l'État haïtien qui t'a enlevé. Si l'État haïtien t'a enlevé, donc il doit le salaire, frère, émolument et tout autre avantage que un sénateur doit jouir en tant que sénateur de la République. Donc, sénateur Guy Philippe, c'était un sénateur en fonction. Un sénateur en fonction. Et je dis, je crois que dans la bataille que nous allons faire contre l'État, nous sommes dans l'échange d'écriture que nous avons avec l'État. Nous avons même fait nous croire que Haïti a signé un accord avec les États-Unis quand on a déporté tout Haïti. Et je dis clairement. Et pour tout le monde qui a déporté illégalement dans le pays. Et ceci, je joue un des ministres vers eux. Je joue des substituts ou des commissaires verreux pour ça me faire action. À quoi que Préval te signé avec Mme Albright en 1997, il n'a pas dit que y a déporté un haïtien. Il a dit seulement clair, pour aider les États-Unis goumer contre trafiquants de drogue, les États-Unis qui ont intervenu seulement en haute mer. Et ceci faut une flagrance. Est-ce que vous avez arrêté le sénateur Guy Philippe sous la mer? Est-ce que vous avez arrêté le sénateur Guy Philippe en flagrant avec drogue dans la mer? Nous voyons que c'est nos émissions que l'on a sorti à travers Radio Scoop et puis sorti, n'y a pas de mettre mes souliers. Je dis, regardez l'article 8-1 Constitution, l'article 41 Constitution, il dit que pas de aucun haïtien qui a forcé pour déporter pour quitter le pays, sous aucun motif. Et là, aller plus loin, il dit que quel que soit accord, traité, convention que Haïti a signé avec le pays, il n'y a pas placé au-dessus de la Constitution. S'il place au-dessus de la Constitution, il est nul et de non-avenu. Justement, c'était avocat et sénateur Guy Philippe, nous connaît, qui était jeune arrestation dans le pays d'Haïti, Jacques, il était jeune. Et il y a un pile de monde, ça a été soulevé colère. Mais effectivement, nous-mêmes, quelque part, nous avons Jacques qui est capable de ça. Et le dossier yo, a continué. Et avocat a annoncé la couleur, se comprenne. Et la montée États-Unis d'Amérique, libre de chercher. Et client là, à savoir, sénateur Guy Philippe, il a pris dans le pays ensemble avec le 7 privé et 8 janvier, et dans le pays d'Haïti. Moi, je suis content de voir Guy Philippe sous le pays d'Haïti, effectivement. Moi, j'ai quelques exemples avec Guy Philippe là, mais même justement, quand j'ai que Mouéli, et je ne vais pas trop loin sur ça, parce que je ne pas contre ça qu'il fait, et parce que je ne vais pas mentir. Tout le monde fait mal dans le pays d'Haïti. Tout le monde fait mal, mais justement, il y a des gens qui sont graves. Il y a des gens qui sont cachés, il y a des gens qui ne sont pas cachés. Il y a des gens qui font payer mal ou pas capable de parler du tout. Mais il y a des gens tout justement qui font erreur et tout. Que ou capable de considérer. Et ou capable de parler ensemble avec pour que est-ce qu'elle a une volonté réelle pour le dire. Est-ce qu'elle reconnaît l'erreur qu'elle a fait? Tout ça. Et justement, c'est tout ça yo, qui est intéressant pour que nous te ouais ensemble avec vous. Mais intéressant, écoutez bien, encore une fois, Peppa ici. C'est gros cause, oui. Ouais, bah, là, bah, là, grave en pile. Sénateur. Hervé Foucan, que blanc sanctionné avec sénateur département Saint-Lan, qui c'est Ronnie Célestin. Nous connaissons que Canada a sanctionné Ronnie Célestin. Elle saisit yon gros kay que sénateur Ronnie Célestin t'a acheté au Canada qui te coûte plus passé 4 millions de dollars américains. T'es le premier kay que madame sénateur t'a vive. Yo saisi kaisa tout, yo pa parlé de li. Compte en banque madame nan, yo te gen pile koblot bois, mais yo saisi l, yo pa di quand c'était comme yo. Ça veut dire yo perdu en pile l'argent. Ça ta doit faire jeune di haïtien noir yo réfléchir en pile. Haïtien qui pense voler cob à l'acheter bel kay dans l'autre pays, haïtien qui a craser pays a vin investi en République Dominicaine, nous doit réfléchir. Moi-même, j'ai envie d'entrer la caille, moi là. J'ai envie d'entrer la caille, moi, même si, comme si je disais, je me remets. Imaginez, je suis remis rad, je suis remis belle bagaille. Je dis que je suis un bel petit store, un bel store. Je suis remis tête, moi là, avec 15 personnes qui se font mis en plateforme, nous mettons un bel business campé sous pied. Mais justement, avant que nous, il faut que nous clean le pays, à travers l'opération, nous pèlons, nous pourrions aller. Et ça, nous pèlons. Ça, nous pèlons. Et mais justement, Jacques Ndioula,
Après sanction pays Canada et les États-Unis d'Amérique, gon bagay ki fèt la, nou manke comprendre. En pile moun ap questionné m sou ça. Parce que pas oublier, nous gen numéro téléphone plateforme nan ki toujours disponible. Nous pas gen nomi nan yeux pour fami zanmi plateforme nan. OK? Sou moun rele pousse, vie pa ou la vin parler ou tout konnen même appel la m pa gen prend parce que bon Dieu nan sa femme pa prend appel la. Moi pa la fou ide, ça veut dire que grand maître là justement gon Jean qu'elle s'avance avec nous. Et nous voyons tout le monde qui est sanctionné, qui est haïtien, qui est dans le pays. Nous voyons le commissaire Okaela, qui est Ronald Richemont, poser une action là. Action que monsieur pose, un peu nous a questionné. Il y a des haïtiens qui ne tellement pas qu'on a haïtien, ils ont même dit bientôt, est-ce que Richemont, ce n'est pas une planification qu'elle fait avec Hervé Foucan, qui est ancien sénateur de département sud, voilà. Est-ce que c'est pour un arrangement qu'elle a fait, soit disant que le commissaire gouvernement pensait que les capables clean sénateur là, en dans le pays, ou du moins dans le département, comme moun, qui sont potentiels candidats au Sénat encore. Me disant mien si commissaire Richemont t'a rentré dans ça m'a tout dit publiquement et m'a dit dans l'émission et ça que m'a dit là m'a dit commissaire Richemont chaque grand monde qui est blanc sanctionné yo connaît ou pas ka candidat encore dans pays ya. Ça c'est information que m'a ba nous ça veut dire qu'ils sont très très loin surtout pour nèg qui dans drogue yo quoi yo épinglé comme monde qui dans drogue comme monde qui a financé des kidnappers. Nèg kap fizye moun, kap viole moun nan peyi ya. Nèg sa ou pap jem kapab chef section nan peyi sa encore. Mwen bay nouvel sa avec moun nan Grand Sud la. Avec ou même qui te pose m question. Justement qui te besoin kon sa tout. Et bien justement même bon réponse sa. Sou kapab fè rive jwenn. Commissaire Richemont fè rive jwenn. Et bien justement commissaire Richemont convoqué nan parquet au Kay le 20 décembre kap vin la. Richard Lénine Hervé Foucan. C'est suite, monsieur Dou, comme ça que, je vais faire longtemps de déclaration. Monsieur Dou, c'est suite avec régime de sanctions que le Canada, avec les États-Unis d'Amérique, prend compte en ces sénateurs-là. Et même monsieur Dou, lui-même en tant que commissaire du gouvernement, met de l'action publique, lui doit questionner ça. Les doué questionner les citoyens qui sont dans la juridiction là. Qui a une grosse accusation qui plane sous dol. Pour dire ça qu'elle connaît. Mais il y a pile monde qui dit tout. Est-ce que ce n'est pas une stratégie que la justice américaine demande, la justice haïtienne yon coûte main pour aider yon faire arrestation en douceur pour que yon monte aux États-Unis d'Amérique avec le sénateur Hervé Foucan. Ça, c'est des questionnements et que nous-mêmes, dans InfoBeto, quelque part, nous avons de ouais non-sens. Mais nous n'avons pas qu'à avoir confirmation sur ce que nous avons dit là. C'est des analyses que nous avons faites. Ce n'est pas nouvelle. Ce n'est pas information. Mais sauf que ça que nous avons dit nous. Moun sa yo, que blanc sanctionné yo, c'est nouvelle que nous avons dit là. Yo pas qu'à candidat pour pièce poste dans le pays d'Haïti. Nous disons ça clairement. Et moun sa yo que blanc sectionné yo, yo pral pa ka fè business quel que soit côté dans pays ya. Et blanc a mené bon jan enquête sou yo pour pa ki yes nèg sa yo pral passer pour nèg sa yo fè moun fè business pour yo ou du moins continuer fè business pour yo. Parce que li extrêmement difficile. Son bataille tête chargée. Gen nèg ki pa ka rete sans dai pas sou yo. Gine qui pas vivre en paix, gine qui pas en santé. Moi même honnêtement m'a dit nous clairement son bataille grosso modo, son bataille délivrance et nous même qui dans média là m'a continuer féliciter nous qui toujours supporter plateforme ça yo, qui camper derrière nous, qui partager émission, qui commenter, qui like, qui dit tout ça qu'on pensait, qui des stratégies, qui reler dans téléphone, ça fait bien. Les nous reler dans téléphone, nous encourager moi. Là, nous participer économiquement dans le travail ça.
C'est débat extraordinaire. Mon salut pour courage nous. Nan moment nous besoin support chaque grain dans nous. Plateforme nous besoin support chaque grain dans nous. Moralement, économiquement. Li intéressant parce que dans pile bagay k'ap fait là justement aïe. Sak nan kayam c'est seul couteau konèl. Ensemble avec nous pral tande commissaire Okaylan qui c'est Ronald Richmond. Nous pral tande li tap fon ti pale avec Jean-Ismaël Valestin dans Radio Mega. Et mais justement, ou pral tande sa commissaire Richmond répond journaliste là sous invitation que le fait Hervé Foucan. Commissaire Richmond, commissaire Okay, la font-il parler? Nous sur plateforme YouTube et Fobetoa. À nous tendre. Vous filmez pour nous bien filmer. Est-ce que vous voyez une invitation pour Hervé Lénine Foucan, ancien sénateur sud, citoyen département sud pays? Est-ce que vous voyez une invitation pour lui pour mardi 20 décembre qui vient là? Radio Omega. Oui, parce que ça, une invitation, il y a que des réceptions parce que en tant que bon citoyen de la République, prêt et disponible, disposé pour venir répondre aux questions que par qui allait nous poser sur l'ensemble des dossiers. Et que nous-mêmes, nous gagnons à nous. Ensemble des dossiers que nous gagnons à nous. C'est-à-dire, vous confirmez Hervé Lénine Foucan, lui doit répondre à l'invitation commissaire gouvernement au Kaila, mardi 20 décembre 2022. Qui ça est commissaire Richmond ou bien paquet au Kaï reprocher Hervé Foucan? Bon, et effectivement, bon, nous ne pouvons pas parler de détails, parce que les restitutions secrètes et tout, donc la justice ne vit pas du scandale, et certaines informations que nous ne pouvons pas communiquer pendant que nous avons fait et n'a parlé dans la presse. Mm-hmm. Toutefois, que, et donc on est dans le secret pour personne, que au FAC, dans tout pays, dans le pays qui a fait justice, rapport FAC là, parce que tout le monde est suivi qui fait. Le suivi qui fait, quel que soit les citoyens qui n'ont pas cité dans le rapport FACLA, que on fait partie du secteur économique, que on fait partie du secteur politique, donc il faut qu'on vienne répondre devant la justice haïtienne. Pour répondre, parce que pratiquement, que c'est que gagner des institutions, bien des pays qui avouent que nous-mêmes, en tant qu'haïtiens, il faut nous couvrir toutefois que nous préférons pays. Mais nous avons toujours dit que malgré le rapport au FACA, mon élu qui cite le rapport là et qui est décrit dans le rapport là a toujours été présumé innocent. Alors, sans pas couper nous, excusez-moi, le commissaire a dit un bagage là qui est extrêmement important. Il dit qu'il y a des pays, s'il y a voyé de l'eau pour nous, nous-mêmes comme citoyens haïtiens, il faut que nous fouillons. Il faut que nous pouvons. OK, ça l'est intéressant. On continue tant des sénateurs et commissaire gouvernement cap et répondre question sur invitation que le fait avec Hervé Foucan le 20 décembre qui veut que vous venez là. Entendez. Pendant que la justice haïtienne a fait tout ça capable pour traîner au devant la cour et chercher culpabilité, vous allez répondre devant la justice pour prendre ça la justice haïtienne qui était prévue. Donc, invitation, ou fait à Hervé Foucan, Livini suite à sanctions pays Canada et puis pays les États-Unis, notamment département trésor américain. Vous prenez compte Hervé Foucan, c'est suite à ça que fait vous-même, ou invité pour mardi, Kavina là, et Hervé Foucan. Bon, effectivement, parce que non seulement l'invitation est bien là-dedans, donc il y a un peu de charge. Que nous allons questionner l'ancien sénateur, que nous gagnons maintenant, mais il fait partie de l'ensemble des questions que nous avons proposées, parce que, automatiquement, comme dit, au facteur même qui sautait, il y a pour que y a plus de monde, personnalité politique, économique, qui s'était là-dedans. Donc, nous-mêmes, dans le Sud, nous ne faisons pas de nom, parce que, en tant que commissaire gouvernement, maître de l'action publique, régulateur de l'ordre social, il est là pour mettre l'action publique en parole pour tout le monde qui comprend qu'il y a des suspicions sous le gouvernement, quel que soit pour les sorties, hein, que nous avons toujours questionné mon nom et pour demander qui ça le connaît, qui ça le passé, qui s'accepte dans le cadre d'un dossier, qui ça a nous-mêmes la faire. Sur le package, même nous avons besoin d'une information par rapport à un rapport qui sortit contre le monde. Non, sur la même fois, il me tend de dire, il y
gen l'autre dossier ou gen pour Hervé Foucan. C'est ça m'entend ou dire? Oui, gen l'autre dossier encore que je m'a pas répéter. Dossier magistrat Richemont. Nous avons deux bagages que nous avons toujours questionné sur les citoyens par rapport. Parce que il y a des gens qui viennent là, qui ont confirmé, donc ce n'est pas nous qui avons dit, qui t'a dit, c'est pas nous-mêmes, qui avons toutefois toujours posé une question, les mêmes qui ont répondu, de ça que nous-mêmes nous entendons, par rapport à des informations que nous-mêmes nous gagnons. Donc, ou pas décider et partager l'autre dossier, ça avec nous, dans le de la parole? Non, on n'est pas capable d'entrer trop dans le fond de l'affaire. Moi, c'est que, automatiquement, que le sénateur, ancien sénateur, a répondu à une question et la justice a une série d'informations que nous avons pris pour nous partager ensemble avec la presse. Dans le dossier au FAC, le département trésor américain, il a dit Hervé Lénine Foucan, ancien sénateur département sud PIA, il était toujours. Il était toujours utilisé position l'été trouvé pour faire drogue sortir en Haïti, traverser dans l'international, notamment aux États-Unis. Et il dit tout, Hervé Foucan, qu'on utilisait et position li, pour le mettre dans l'État pour faire un contrôle pour lui. Département trésor et au fait même avancé pour dire et Hervé Foucan qu'on utilisait propre avion li pour faire drogue rentrer dans le département sud pays à côté au commissaire gouvernement sans qu'on est dans ça et au fait dire drogue rentrer au caï. Parce que je vais laisser pas faire mais Charlie avant de faire. Papa Charlie avant de faire devant de la dit que des informations pas qu'à partager. Donc, je pense que, pas pour des sénateurs, il y a des informations que nous avons, nous pas obligés de rentrer public pendant que nous avons parlé là. Donc, nous avons une réserve en tant qu'autorité, et parce que, ils sont droits que nous avons, vous savez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu une photo plainte et avec Foucan en drogue, magistrat? Bon, si, c'est mon fac, mais non, bah, on va voir que nous sommes aussi quelques personnes. Non, bah, on va voir que nous sommes aussi quelques personnes. Donc, c'est par rapport à des informations, des éléments. Et il y a un moyen qui fait, ou faire le doc, c'est-à-dire que nous avons des informations que nous avons posées à ce sénateur. Ou comme ça qui intéresse maintenant la déclaration, pardon, et commissaire là, je me sens que bois camaré. Je ne sais pas nous-mêmes, nous avons focus là. Je me sens bois camaré. Je me sens que je vais être là. Parce que depuis, comme il s'est parlé, ou elle a parlé de OFAC, OFAC, OFAC. Ou comprendre qui est OFAC. C'est OFAC qui prend décision pour que vous sanctionnez avec ça. Et vous saisissez bien avec ça. Et c'est l'institution qui place pour saisir bien étrangers qui sont dans un malhonnête à travers le monde. Aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que je me sens que je ne peux pas être clair. Je ne peux pas être clair même. Avec Foucan, il faut pour y dormir. Eh bien, il faut qu'on va comprendre parce que Jean qui me senti bagarre la vini là, li pas facile même. Et nous allons continuer tendez déclaration normalement et nous allons continuer tendez déclaration Hervé Foucan et normalement sous ça qu'a dit mais tout d'abord on a pu s'y voir et alors et Jacques Gary qui c'est représentant direct comité 100% diaspora dans pays d'Haïti. Et justement, qui a parlé dans non équipe et justement qui est très proche et ministre Nader, pour Jomo tout ça, nous avons fait des conférences de presse qui ont des activités qui ont réglé dans le pour venir là. Et bien, normalement, nous avons déjà gagné et Gary Jacques ensemble avec nous sur les lignes de comité 100% diaspora pour nous faire parler dans le possible. Et boss Gary, bonsoir, comment nous y bienvenue sur la plateforme YouTube Info Beto. Et moi saluer tout le monde plateforme YouTube Info Beto, tout fanatique nous yo, tout le monde qui comprend le travail Info Beto a offri et avec population haïtienne, kit moun ka vive Haïti, kit moun ka vive à l'extérieur et nous kwè à chaque moment que nous sur plateforme ça nous senti que nous à l'aise parce que nous kwè c'est affaire pays qui n'a discuté et c'est pays qui nous wè et tout comité 100% diaspora toujours dit ça Haïti nan wan sent table. Moi saluer tout fanatique comité 100% diaspora kit Haïti kit à l'extérieur.
Très bien. Et voilà, Boss Gary, n'a pas été exactement dans le dossier. Qui s'est passé? Et tout haïtien dans le pays d'Haïti, justement, bon seul parole qui a parlé, il y a eu le téléphone, il y a eu et nous, ouais, une idée qui a passé dans le pays, hein, justement, une proposition sur la table là, et t'assembler, c'est le même peuple en Vikembe. En pile paysan après les nous, nous avons gardance, nous juste dans Pestel, la caisse sénateur Guy Philippe, nous avons pile amis dans zone ça, qui relie nos téléphones, qui dit nous faisons est-ce que bien un but de mouvement ça, que l'équipe ça qui représente comme comité 100% diaspora, qui se représentant la diaspora haïtienne, effectivement, qui font proposition politique tête chargée à la dernière minute, et justement, ils ont senti que ces propositions ça, qui vraiment, alors, a fait promotion pour intégration toute couche vive dans le pays. Tout diaspora haïtienne. Effectivement, en plus, nous avons le téléphone et nous avons bientôt. Est-ce que vous connaissez l'activité ça? Est-ce que vous connaissez ça que lié? Nous disons oui, moi bien aimé de lui. Et moi même, quelque part, moi adhéré avec mouvement ça. Et moi, je crois que nous avons des gens qui ont proposé, effectivement, moi accepte ça. Parce que vous avez tête qu'on adhère, moi directement, moi même, faut bientôt. Nous avons parlé de ministre Nader nos bagailles, nous avons tout ou tout est bientôt là-dedans. Moi, clair sur ça. Ok? Nous disons population ça. Mais justement, nous disons l'autre monde qui a pris. Et gagné yo mes cabinet ministériel là parce que son seul grand ministre que n'a gagné. OK, n'a gagné n'a bon premier ministre ou pas besoin président parce que n'a besoin président à là nous faire élection dans pays. Et même moi dit avec paysan yo avec famille zami plateforme non, effectivement moi pour qu'on gain contrôle stratégique que yo développé pour yo justement gain l'autre nom ça yo que a choisi à travers chaque département dans pays parce que nous gagne 10 départements. Je ne sais pas qui deux personnes, je ne sais pas choisir deux personnes dans chaque département. Je dis aux personnes qui dans le département, idéal, normal, je suis adhéré ensemble avec elle, je suis bon côté et je supporte. Sauf que on fait tout ça qu'on est capable dans tout nous-mêmes pour nous mettre tout le monde, pour nous chercher les gens qui ont vraiment alors, représentativité dans chaque département, les gens qui sont responsables, des personnalités comme Sinadjou, qui vraiment. Gain intégrité respect dans le département côté sorti ya. Mwen ti population bat pour que nous rentrer dans ça parce que ça comme proposition nous sommes qu'il capable marcher. Mais effectivement ministère d'air, mwen di population m'a cherché effectivement représentant comité 100% diaspora yo, porte-voix comité 100% diaspora yo pour que yo font ti parler pour avec population pour yo même capable connaître que c'est pour proposition Green 5 qu'a fait parce que moi même dis clairement s'il te bagay Green 5, m'bato pas tap la dan. M'bato supporter et m'tap dénoncer. Effectivement faut tu parler avec la population qui vraiment a questionné justement la proposition ça, que vous croyez que c'est une proposition qui est capable de marcher beaucoup. Chapeau bas pour vous, Infobeto. Et nous croyons, nous-mêmes, en tant que citoyens, représentants du comité 100% diaspora en Haïti, et diaspora, yo mettez chapeau bas devant comité 100% diaspora, devant comité 100% diaspora, parce que c'est la première fois yo wè ça, parce que tout le temps, il y a parlé dans nos diaspora, mais pas jamais une diaspora qui représente yo. Yo toujours a filé pas pile pas ma colle, tant qu'on a grandement qu'a changé couleur. Mais diaspora pas jamais wè yon moun qui campé pour yo. Et de nos jours, il y a un comité 100% diaspora qui paraît bel et bien, et à travers des commémorations président Jovenel Moïse dans tous 10 départements et yo wè ki sa comité 100% diaspora fait et yo content de comité 100% diaspora kap travail et nous-mêmes nous wè à travers de toute proposition kap filé en sous table là mais peuple haïtien toujours de yo peuple haïtien pas jamais nan solution que yo même y a proposé tantôt tande accord Pen accord Montana accord Lausanne accord ceci mais haïtien yo toujours de yo diaspora yo toujours de yo masse défavorisée a toujours de yo et bien comité 100% diaspora prend ton pèlerinage il dit non arrêtez là tout ça que qu'on a passé yo faut pays ça même les sorties dans Kachouboumbea. Faut que pays ça sorti dans trou ça et c'est raison ça comité 100% diaspora avec toute équipe là solide là yo vini ensemble avec comme proposition gouvernement départemental qui pour décentraliser pays a décentraliser Port-au-Prince qui pensait que depuis 30 à 36 ans Port-au-Prince pays ça en outre ensemble avec toute oligarque corrompu ensemble avec toute mafia yo et nous quoi c'est pour raison ça qui fait qui a
sorti pays ça dans quartier bombé dans main oligarque corrompu. Et nous quoi bataille comité 100% diaspora rentrer là-dedans, il rentrer dans bataille pour toute diaspora indistinctement. Quel que soit monde qui pas voulait ouais vision comité 100% diaspora parce que quel monde qui à l'extérieur info bientôt automatiquement yo ouais idée à son belle idée, yo ouais proposition son belle proposition qui est capable retirer pays ça dans quartier bombé à du moment que c'est pas eux-mêmes qui viennent avec idée, eh bien eux-mêmes il y a boycotté idée. Nous quoi gon paquet oligarque qui travaille pour système nan, qui voulait camper contre comité 100% diaspora. Mais nous dit bon Dieu merci, nous gétan ouais en bas. Nous identifier qui est ce que nous identifier qui moun qui voulait camper des visions peuple ça qui pour rendre département capable râler yon souffle parce que journée jodi a nous ouais yo bloqué tout côté, yo bloqué Matissan, yo bloqué Canaran, yo bloqué la boule, yo bloqué quoi des bouquets pour rendre peuple ça pas capable râler yon la vie mieux. Et nous ouais à travers des décentralisation gouvernement départemental comité 100% diaspora vin avec les et alliés nous quoi pas gain l'autre moyen pour pays ça capable sortir dans quartier bombé ça c'est à accepter à le rejoindre ensemble avec population qui vivent à l'extérieur, population qui vivent dans l'autre département yo, pour nous faire une confiance de bataille comité 100% diaspora a fait une bataille que nous même nous rentrer la donne, une bataille que nous même nous dit comme ça que quel que soit le ou la façon nous pas quitter yo même yo fait diversion sur nous, nous pas quitter yo couvrir nous parce que yo fort dans ça oligarque yo fort dans ça pour yo couvrir tout ça qu'a fait bien, tout ça qu'a fait pour population capable râler yon souffle. Et nous même nous dit Abraham 17 assez à travers de gouvernement départemental ça faut que pays ça sorti dans situation ça info Beto. Très bien, effectivement, à travers le gouvernement départemental, parce que l'interdépartemental, c'est chaque département qui a deux personnes qui ont sorti là-dedans. Ça, nous, ouais, quelque part, c'est même idéologie président Jovenel Moïse là. Nous, ouais, côté que nous pensons avec paysans, yo. Nous, ouais, comme si des promotions qui ont fait pour la paysannerie haïtienne. Nan. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moun sa ke oublié, yo. Que Jovenel Moïse comme président de la République, lui-même était songé, il était tourné en province. Moi, nous utilisons même stratégie hein, pour nous tourner en province. Eh bien, en pile paysan, justement, qu'on est que peuple, tellement grand coup pour qu'on en dos, yo peur moun. Mais moi-même, quelque part, quand fait bataille ça dans la plateforme YouTube et Foubetoa, nous gagnons crédibilité dans la société. Nous n'avons pas nous crédit ça. Nous disons, nous, Foubeto, les gens ne comprennent nos bagailles, questionnez-le pour yo, cherchez l'information pour lui pour yo. Nous disons, population claire sur ça. Moi, ouais, Jacques Gary, nous comprenons ni. Et moi, monsieur, par rapport à parce que je suis clair sur ça. Parce que je suis suivi les batailles, je suis le comportement, je suis l'engagement, je garde, je lis, je dis aux populations, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça que je suis mieux. Je suis extrêmement intelligent. Depuis que je suis comme si je suis bloqué, c'est à bout de l'autre, je ne suis pas. Effectivement, je dis aux populations, il y a un bac qui est important. Parce que ce qui s'est passé, le peuple entendait non ministre Nader a cité en pile dans le dossier ça. La population dit si le ministre Nader est là-dedans, il y a une possibilité pour Jérémy relumer encore. Il y a possibilité pour cette Philomène dans cap haïtien relumer encore. Alors l'humain achevé normalement. Moun ka fourré le dans téléphone, yo dit il faut bientôt si ministre Nader là-dedans. Il y a possibilité pour centrale pardon, électrique ka fourré inauguré normalement. Moi dit moun ka fou. Effectivement, ministre Nader là-dedans. Nous mettons sauf que c'est nous qui mettons main en patte là, c'est nous qui mettons j'arrête. Oligarque corrompu oui, on investit en pile l'argent partout pour boycotter tout ça cap toute décision cap pour peuple haïtien pour majorité. Mais justement, nous même peuple là nous gain pouvoir dans nous là, c'est nous pas rendre compte que nous gain pouvoir. Ariel sorti chikin seulement, il comme si n'a de l'attendre pour nous retirer contre lui parce que place pas là, il connaît place pas là encore. Oligarque corrompu justement, il est très vulnérable dans moment parce que quelque part à partir de 20 décembre cabine là, il pas connaître en pile douleur. Moi j'ai vu cabine là pas connaître en pile douleur. Ça veut dire que jodi hein, promotion qu'a fait pour intégration la diaspora haïtienne dans la politique haïtienne et dans le business. Ce comité 100% diaspora justement nous senti qui est capable de faire rentrer ça parce que justement nous voyons que pas de l'argent qu'a défendre là, pas d'intérêt personnel qu'a défendre là, c'est chaque grand qui met tête ensemble qui pour venir avec une idée. Et bien dit justement nous mêmes qui sommes paysans, nous devons camper par côté comité 100% diaspora qui vient avec proposition ça, ni pas pour lui personnellement, c'est pour peuple là. Stanley lui qu'a parlé de lui. Sauf qu'il ne peut pas parler de non, vous comprenez ni. Parce que l'affaire politique. Mais justement, il dit idéal, il est normal, il espère que le comité 100% diaspora, chute avec chaque monde dans tout le département, faire délégation, elle parle avec paysans, parle avec universitaires, parle avec tout le monde qui est dans le département notable, effectivement, pour nous garder comment nous avons joindre, ils ont vraiment, ils ont entente largement large pour que nous choisissions dans chaque département. Et même pas bon menti, Bosgari,
dans pile nèg qui gen cœur sauté, moi même jeune feedback là, en pile mon média traditionnel pense que capable boycotter mouvement, même dit monsieur yo, li t'est ka fait en 2014, il était capable fait en 2017, l'on t'a pas assassiné caractère président. Mais 2022 pour 2023 pas vinn là, nous pas capable porter chalet ça parce que gen Foberto, gen Fou contact 69, gen Jimmy mon affaire mon TV, gen Moussa Dieu madame Sarah, gen Tcheko peuple parler Haïti, gen toutes médias en ligne ça yo qui croient que faut que nous mettons tête nous ensemble tout ça assemblé yo effectivement à rassembler pour nous finir avec ça qui est bon pour le pays ya, définitivement. Moi crois que Boss Gary, nous devons continuer à sensibiliser la population dans le niveau ça pour que nous jeunes ça pour nous jeunes. L'autre point Boss Gary qui est important, vous m'avez avancé, oui, m'avez avancé, m'avez tourné sur ça. Vous m'avez allé m'attendre sur la fin d'hier. Très bien. L'autre point, c'est des conférences et des presse cap bay, ou même tout personnellement, ou faire nos conférences ça, ou dire nous que dans le jour cap vin la yo, et mes cabrets pas le coller parce que la vérité pas le parler ou décider mon pur terre et stratégiquement comme si dans tout niveau nous dit bravo et bien justement ou doit 10 population qui ça comité 100% diaspora après régler dans moment comme activité parce que c'est très important pour que nous très médiatiser tout ça que n'a fait pour population capable voir que tout ça n'a fait dans toute transparence parce que population besoin de monde qui fonctionne dans transparence ensemble avec elle. Premier bagay qui gagne, comité 100% diaspora, pas gagne force côté. Parce que qui ça nous toujours dit, nous dit Haïti n'a pas de table. Et tout le monde qui fait partie de comité 100% diaspora, il y a Haïti vers l'avant. Parce que c'est ça que nous avons prôné, c'est ça que nous-mêmes nous voulons mettre comme boussole pour le peuple haïtien capable de mettre en accord envers nous-mêmes. Mais laissez-moi dire, il y a un pile agrément dans l'international là. Nous-mêmes, bataille que nous faisons, nous acceptons souffrir pour nous préparer une série de monde dans chaque département qui pour faire un travail colossal envers le comité 100% diaspora pour aller rejoindre la population, pour aller rejoindre le département, pour aller rejoindre la section rurale, pour nous faire comprendre mais qui dans qui bataille le comité 100% diaspora rentrer et bataille ça, c'est une bataille envers le pays pour tout le monde capable de rejoindre dans ce qu'a fait là. Mais nous, nous-mêmes, toutes têtes de pont, ce sont des têtes de pont qui pourraient payer. Qui oué Haïti, mais qui pa oué poche, qui pa oué la vie, et petite, qui pa oué la vie, madame, mais qui oué pays d'Haïti. Et nous oué pays ça, durant 30 à 36 ans, c'est yon paquet moun qui oué poche yo infobeto. C'est yon paquet moun qui oué tizami, qui oué tifomi, qui ren pays ça toujours dans Kachouboumbe, qui ren toujours pays ça toujours dans la boue. Mais nous même, en dan comité 100% diaspora, nous dit faut que ça change. En dan comité 100% diaspora, nous dit vision président Jovenel Moïse. C'est ton vision pour te retirer masse peuple défavorisé ça dans Kachouboumbe ça masse peuple défavorisé ça cap traîner dans la boue senti qui pas jamais travail qui pas jamais gain on commerce dans mayo qui pas jamais atterri dans vision que yo même y a prôné pour petit yo pour petite petite yo vision ça pas jamais capable adhérer et bien nous même à travers des visions président Jovenel Moïse depuis le président Jovenel Moïse mouri et bien nous est toute sociale président Jovenel Moïse te qu'on a fait yo et bien oligarque compte yo infobeto yo mette couvre-feu sous lit et bien tout ça que président Jovenel Moïse t'a fait et bien pas gagne youn qui paraît ça veut dire nous ouais à qui moun à qui mafia que nous même nous en a fait et nous ouais comité 100% diaspora li prend note et n'a dit toute diaspora qui à l'extérieur depuis des temps ou t'es toujours voulu rentrer dans le pays ou. Depuis des temps, ou t'es toujours voulu faire bien dans le pays ou. Mais, oligarque corrompu, gardez, yo masqué, yo, pour yo entourer nous, pour yo faire nous pas capable d'avancer vers l'avant. Parce que depuis des temps, n'a prend pilule à l'extérieur. Depuis des temps, n'a prend seringue à l'extérieur, mais non pas jamais capable de venir rentrer dans le pays ou non. C'est oligarque corrompu qui mette système ça, pour rendre nous deux pas fini, pour rendre nous fin vieilli, pour nous pas capable de rentrer dans le pays, non, pour nous venir aller en souffle. Eh bien, nous-mêmes, dans le comité 100% diaspora, Madame Beata, en tant que une femme solide, qui est présidente du comité 100% diaspora, son femme qui n'a pas fait pression, son femme, ça l'a fait, c'est lui-même l'a fait, c'est vers l'avant qu'elle gardait avec toute équipe là. Et nous-mêmes qui, Haïti, en tant que directeur, interne, comité 100% diaspora, nous jouons en pile pression, nous jouons en pile problème qui était capable de faire nous quitter l'île là, mais nous quoi pays ça, si nous disons qu'on prend pression pour nous quitter l'île là, et bien pays ça n'a pas aucun côté qui l'a fait. Et si tout Infobeto qui a micro ça maintenant, si Infobeto te qu'on prend pression, il a quitté micro ça. Mais si Infobeto pas quitté micro, nous même qui en Haïti, nous ne pouvons pas quitter bataille là, parce que bataille là, c'est bataille tout peuple haïtien, bataille là, c'est bataille toute diaspora, et nous avons dit diaspora, accompagner
comité 100% diaspora. Travail là en pile nan menon la Refoberto. En pile de poste pour nous faire, en pile pour nous joindre moun que nous-mêmes nous choisir pour nous connait qui moun que yo. Est-ce que yo te konn voler cabrit? Est-ce que yo te konn fait peuple la abi? Pour nous voir qui est-ce que yo est, ça coûte nous en pile et la coûte nous en pile parce que nous quoi déplacement yo pour nous connait qui moun yo est pour nous faire ou faire part de gouvernement départemental là parce que nous pas ka prendre n'importe moun et c'est n'importe moun qui mette pays ça à genoux comme ça. C'est n'importe moun qui pas ouais pays d'Haïti, qui pas ouais Haïti dans un centre table qui mette nous dans quatre boum ça. Mais comité 100% diaspora dit bataille que lui-même lui rentre là, eh bien c'est pour une bataille pour l'al faire moun plaisir, c'est pour une bataille pour l'al vendre pays avec international, c'est pour une bataille pour l'al vendre oligarque corrompu au pays là, mais son bataille pour l'al rejoindre masse défavorisée là qui a passé misère depuis des temps et des temps, mais lui les temps pour peuple ça râler on souffle. Il est le temps pour jeune garçon râler on souffle. Il est le temps pour jeune fille râler on souffle et nous quoi c'est une bataille comme ça que nous rentrer là-dedans et nous quoi nous pas prendre pression parce que pays ça faut qu'il sorti dans Kachubumbia. Et pas gain l'autre moyen pour pays ça sorti dans Kachubumbia, c'est doter lui de un gouvernement départemental qui pour venir doter pays là avec un conseil électoral pour venir pour assurer sécurité chaque département ou mettre population en confiance de eux-mêmes pour faire connaître que vous capable aller dans élection pour choisir un monde libre et libre et pour tout département une capable fondre entre l'autre si me besoin à Jacques Mel pour me pas gain problème pour me dire m'a passer Port-au-Prince pour m'aller si me besoin Jérémy pour me pas gain problème pour me dire m'a passer Port-au-Prince pour m'aller si me besoin Saint-Marc pour me pas gain problème pour me dire m'a passer si me besoin Mibalet pour me pas gain problème pour me dire m'a passer parce que nous voulons assurer sécurité dans pays là parce que avant élection que n'a parlé là faut que nous assurer sécurité c'est pas un gouvernement qui a vinn voler c'est pas un gouvernement qui a vinn plein poche li c'est pas un gouvernement qui pas wè pays mais c'est un gouvernement qui wè peuple qui wè population c'est pas un gouvernement qui dit li pral mettre blanc chita ensemble avec lui pour nous vendre mine que nous gagne yo mais c'est un gouvernement qui pour paraître pour tout pays là pour nous capable aller dans élection pour nous capable choisir un président libre et libre qui pour diriger pays ça de quoi misère moun sa domaine va passer misère moun Chili va passer misère moun Brésil va passer misère moun Guyane va passer mais pour nous dire nous sommes pays même gens ensemble avec tout pays et nous dit tout média traditionnel qui mette pays ça dans état ça dans Kachubumbe ça et bien nous dit population ouais yo population ouais qui est ce qui fait y a passer misère aujourd'hui alors nous quoi moment média traditionnel yo Abraham 17 assez nous quoi à travers média en ligne yo nous dit nous quoi bataille que n'a mené bataille que pour pays d'Haïti sorti dans la bois nous quoi média en ligne yo avec nous yo accompagner nous y a montré tout travail comité 100% diaspora a fait il y a montré comité 100% diaspora dans tout département dans toute bataille que nous entreprendre pour nous capable éparpiller gouvernement départemental là pour population ça pour masse défavorisée ça capable râler on souffle dans pays d'Haïti très bien et pour finir boss Gary qui activité nous prévoit faire dans jour pour venir là parce que nous t'en gain de conférence de parce qu'il annoncé qui date qui jour qui côté conférence de presse conférence de presse là c'est un plan Gary c'est maman petite Marie Saint-Ti maman petite Marie Saint-Ti son plan gaillé parce que c'est une conférence de presse de fin de l'année et nous pas capable dire comme ça que bonne année nous pas capable dire heureuse année seulement nous capable dire bon combat pour nous capable rentrer dans année 2023 pour nous montrer oligarque corrompu que pays ça c'est pas pays maman yo qu'il y a parce qu'à chaque fois que yo dit nous pour nous tourner dans pays nous qui c'est en Afrique mais nous quoi pays ça c'est pays pas nous pays Jean-Jacques Dessalines te goumen te bataille pour te banon indépendance nous quoi nous pas capable quitter le bail sur Libanais nous pas capable quitter le bail corps groupe nous pas capable quitter le bail corps international là comme malfrending ça ou comme mafia ça ou comme vampi ça ou nous pas capable quitter le bail c'est ça que fait nous dit dans jour ça là dans semaine ça nous va faire un plan gaillé nous quoi tout monde concerné qui mettait pays ça dans état ça parce que faut que nous identifier faut que nous montrer peuple là qui monde que yoyé de quoi dans année 2023 ça pour nous capable déraper pour une année de prospérité une année pour maman petite papa petite boss maçon boss ébéniste boss charpente boss mécanicien chauffeur camionnette chauffeur taxi capable râler on souffle pour nous capable orienter pays ça vers un gouvernement départemental merci en pile boss gars on était content gagnon
moi content de ce que vous toujours fait moi part pour moi toujours sur plateforme YouTube Info Beto ça nous croyons c'est une plateforme et peuple haïtien kembeli accompagner li pour nous capable faire route pour nous capable changer pays ça abonnez entendez ça li merci en pile voilà ensemble avec nous c'était Boss Gary et de comité 100% diaspora dans la coupe pays d'Haïti justement transition a fait pressé nous que pour nous recevoir équipe arabe dans la coupe pays d'Haïti à nous presser aussi arabe là et présent ensemble avec nous parce que m'pa nous menti dossier en pile grand pile activité qu'a fait mais justement nous doué et connait ça qu'a pris dans la coupe d'Haïti avec toute équipe nous connaît qu'a bataille sur le terrain parce qu'il est intéressant pour nous connaître ça monsieur a réglé et ça qu'a fait parce que nous même info beto de bongo qu'a fait juste pour arriver nous poser une question et paysan qui dans tout gounou en relen li pose une question c'est nous gain rapport pour nous bail mais justement faut que monsieur faut que monde qui responsable tout yo prend et responsabilité pour venir parler tout parce qu'il est intéressant pour que eux même personnellement yo vinn parler avec population et bataille l'a continuer t'a semblé que nous beaucoup capable jeune et arabe blanc mais il est intéressant pour que nous capable et pour nous tape jeune arabe blanc pour le moment parce que pas vraiment gain temps tout à l'heure pour nous recevoir arabe encore une fois m'a saluer nous m'a dit nous partager mission ça tout côté dans tout groupe WhatsApp tout partout pour responsabilité nous pour nous partager émission ça pour nous participer pour nous faciliter plus monde capable participer ensemble avec nous dans cadre émission ça parce que il est intéressant pour que nous partager émission et commenter me saluer encore une fois et voilà nous gagnons ensemble avec nous président équipe arabe blanc nous connaît grand pile activité qu'a fait dans pays d'Haïti pour fête fin d'année à nous connaît que nèg l'opposition politique crasé brisé dans pays d'Haïti gon seul bagaille qui ont conduit la Jovenel Moïse là malheureusement pas dans fête mais justement pour capable retirer peuple là dans fête net yo gangsteriser tout port au prince net yo censurer tout port au prince avec gang et ben nous gagnons arabe blanc normalement qui gagne de activité qui l'a pris dans la coupe de prince et ben pile monde dans port au prince après nous dit nous faut bientôt arabe blanc de bagaille l'a pris qui ça passé et même dit normalement c'est arabe blanc pour venir parler dans nos équipes arabes pour dire qui ça que équipe arabe a réglé qui initiative commence à pied pour fin d'année et Maslin bonsoir comment vous êtes bienvenue sur plateforme YouTube Info Beto comment vous êtes qui ça passé moi salut frère Beto et moi salut chaque grain auditeur auditrice captant de nous sur Info Beto chaque grain frère Maxer moi yo compatriote moi yo même si nous on Ariel Henry assassin criminel vient avec une épidémie fièvre grippe basse en bas épidémie là pendant ma parole voilà la mambal tout là mes frères Beto j'en a bataille là c'est concentré pour nous concentrer pour une bataille jodi a len gade pour nous peuple haïtien par contre ça ouvre vraiment vrai côté André Michel que qu'on a dit malheureusement pas dans fête André Michel major Michel LL Kassi jodi a c'est eux qui a fêté sur deux populations c'est eux même qui a réjoui. N'est-ce que tout le président Jovenel Frère Mbeto, ce n'est pas pour des bagailles. C'est pour que quelqu'un pouvoir continuer à faire massacre. Je dis pas qu'à dire c'est Jovenel Moïse qui a fait massacre. Mais, sous président Jovenel Moïse, quand c'était mon cap mourir la Frère Mbeto, pas de connaître elle. Je dis à chaque levé levé le matin, dans chaque quartier populaire, il faut qu'il y ait 10 cadavres. C'est grave. Et ceci. Nèg yo pas de peur, pas de crainte, yo fait massacre la saline, yo déposé sous domatine Moïse à Jovenel Moïse. Massacre belle, massacre grave, yo te pon ap marché fait. Pensez pendant nèg yo gen pouvoir, frère Mbeto, yo te ka stoppé. Yo te ka stoppé massacre là parce que j'ai peuple là ouais clair, c'est nèg yo qui fait tout massacre qui existe. Je dis à nèg yo continue à massacrer nous et yo continue faire nous pas ka vivre tant comme monde. M'a gardé un chien tout c'est à quoi Ariel Henry. Premier auteur assassinat de Jovenel Moïse. Tout rêve, c'est assassiner Martine Moïse. Tout rêve, c'est assassiner chaque grain de monde qui a pris de justice pour le président Jovenel Moïse. Pas capable. Je dis à nous-mêmes, nous campons bon côté population. Il est vrai que chaque jour, nous avons dit que nous avons pris la rue. Barricade là, nous pas dit que c'est à vie, non. Barricade là, nous devons retourner. Quand le monde qui te dit que barricade là, c'est à vie, nous devons utiliser même barricade ça pour nous dire assassin à quoi André Michel. Barricade ça doit tout non pon gongon pour. Je dis à sa barricade là t'as détruit Jovenel. Sa barricade là nous t'as déstabilisé pays. Je dis à nous gain pouvoir. Nous gain pouvoir. Pour qui ça nous mettez peuple nous mise à tous comme ça. Yo ti mami diri lix dans pays d'Haïti. Pour kounya jeune garçon, jeune femme devant micro la presse pour y a témoigner. Quand il fait 2 mois, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, moi yo va monter chaudje. Qui est-ce qui mettez vous dans pauvreté ça? Raïche a dit dans le blanc frère Mbeto. Ni les pays loc, ni les pays pas loc.
président Jovenel toujours gagne des camions manger pour la voyer dans quartier populaire yo. Hein? Mm-hmm. Il était toujours affaires sociales dans quartier populaire yo. Je dis pas contre qui est-ce qui ministre affaires sociales, ou pas contre qui est-ce qui directeur FAES, ou pas contre qui est-ce qui dans tête PNCS, l'école pas qu'à ouvert, rien pas qu'à fonctionner. Seul Ariel, gouvernement Ariel Henry qui a pouvoir décaisser, stocker l'argent dans pays, il y a pas gagne l'autre monde encore. Yon dollar frère bête presque 200 goudoui. Pour qu'on gagne dollar américain. Hmm. Côté peuple ça que t'as pris la rue à ce jour d'un dollar côté Moïse Jean Charles qui t'a dit la bataille contre dollar sous président Jovenel Moïse dollar presque 100 gouttes la bataille pour dollar va arriver 100 gouttes je dis à dollar presque 200 gouttes Moïse Jean Charles était il fait éclos Moïse Jean Charles fait quoi ta bataille dans la rue tandis qu'elle gagne propre affaire par l'a gérer il y a un gouvernement qui gagne 9 présidents là-dedans l'a créé. Je veux dire, c'est ça qui crase la bataille là, vous faites bête, pas l'autre bagaille, non? Mm-hmm. Chaque monde qui n'a pas 10 monde d'elle, ils font encore. Chaque monde qui n'a pas même dirigeant bouche latrine publique, ils font encore. Moun n'a pas qu'à gérer foyer la Kaili, ils font encore pour venir diriger transition. Je veux dire, si Ariel, t'es qu'on bataille dans l'arrière, vous pouvez pas plus ces gars, tout le monde a fait affaire par eux. Je veux dire, pas qu'un monde qui a permis à Zadeo, qui a dit à rapter chita sita. Pour te signer des accords qui t'a signé à tribo par bon, accord par ci par là, battre là dedans moi-même. Accord, c'est bataille pour me délibérer pays. C'est déchouquer Ariel, traîner le pénitentiaire national, mais accord peuple, c'est lui accord peuple là. Très bien. Accord peuple là, c'est Matéli qui doit en bas code, Réginal Boulos doit en bas code, Dimitri Vop doit en bas code. C'est lui accord peuple là. Je dis à diaspora qui est 50 ans, 60 ans, qui est exilé, il veut retourner la caille, mais accord peuple là. Accord peuple là, c'est l'aime garder pour un quartier populaire qui stabilité. C'est l'aime garder frère Maxime qui a couru à ce paquet de sous tête. Yo, chaque jour, ça m'a coup de balle. Il a cherché une place publique, frère Beto pour y aller. Il n'est pas capable de jouer. N'est-ce que sous président Jovenel, il y a mouche mourir, c'est Jovenel qui touille. Il y a ravette mourir sous mouche toilette, c'est Jovenel qui touille. Tout ça qui passe dans le pays, c'est Jovenel. Je dis à Mère Michel, continuez à massacrer la population. En tout cas, frère Beto, bataille pour nous changer condition la vivre là. Il parle l'autre bagaille, non, frère. On m'a dit que c'est violence, ma prêche. Quoi, moi, on s'est dit que Haïtien, je vous dis, pour 1000 goud, moun ka bataille pour côté, c'est yo, et yo, vous voulez détruire. Je dis à mon équipe sans ave, tchoul Ariel Henry, tchoul André Michel. Des fois, on prend photo, on lague un bon côté barbecue, on prend photo, on lague un bon côté iso. Je dis oui, c'est même qu'un groupe gang, groupe ceci, groupe cela, groupe Genève. Je dis ça, vous voulez, de moi-même. Mais ça va m'intimider, ça va faire me faire back de bataille m'a mené. Je veux dire pour Ariel Henry, pas gain à faire fête, pas gain à faire Noël, lycée adventiste, il pas non Noël, il va lancer ici pour le cas stocker toutes 50 gouttes qui est dans l'état. L'argent. Je veux dire peuple là dormi, peuple là regarder match football, peuple là après les ouais pour Brésil, pour Argentine, t'a bail gain goal, pays gain stabilité, gain santé, gain éducation. Gè manger, pas gè grand goût. On da pays sa yo. Je dis à c'est pour pays Argentine, Brésil, ou a bay gen gol, après ça, on va manger besoin. Je dis à pour nous 21e siècle, pour nous quitter un grand monde, 74 ans, nous assassin, je dis à toi, quoi, Ariel, manger un jeune garçon 53 l'année. Et nous avons là, nous avons nous avons dit, rien. Dès nous, jeune de toi, gè nous qui t'a fait bataille, je mettais tout stable, je mettais tout. Tout poids ou dans la balance pour déstabiliser grand monde qui a volonté pour bataille là. Je dis, Michel Matéli c'est rire après nous aux États-Unis. Réginal Boulos c'est rire après nous. Dimitri Vob c'est rire après nous. Vous voyez tous les trois côtés offert aux États-Unis. Il y a le caché même côté. C'est là que c'est tiré instant. C'est là que des groupes gagnent aux États-Unis. Je dis à Frère Beto. Moi je dis Canada. Moi je dis. Gouvernement Canada, s'il vous coûte, mais sérieux là-bas, nous, pour qui ça Réginal Boulos pas en bacode? Pour qui ça Michel Matéli pas en bacode? Pour qui ça Dimitri Vop pas en bacode? Pour qui ça donne Kato qui te dit président Jovenel? C'est dernier 18 novembre pour eux. Ou pas que nous avons le 18 novembre, sous la terre encore. Elle mange Jovenel, vous voyez, elle assassine Jovenel. Hein? Yon ti volé, yon ti voyou, t'as pour André Michel, t'as pour donne Kato qui t'a tué machine. Je dis à Jouen, on peut être baba, pas faire ni des nitoyens, le vote sans avec comme ça, il mette le parlement. Il va faire ni des nitoyens, il vient dans le parlement, c'est trois lettres là, le vide dans le parlement. Parce que c'est baracoulte déjà.
un barakou, ou pas capable un barakou frère Beto, pour faire un barakou pour mettre la diriger au parlement, pour mettre à représenter au parlement. Il va vous dire. Je dis à pile dit les drogues. OK Canada ou dit ou sanctionner une série des assassins, ou sanctionner une série des gangs pour qui ça vous combat code. Je dis à Michel Martel il a pris nous. Côté fin tout et Jovenel l'a pris nous. Dimitri Fabreginal Boulos. Je finance là moi Jovenel il a caché aux États-Unis, même aux États-Unis ça, c'est lui-même qui mettait dans pauvreté mieux là. Je dis à tout ça qui en faveur peuple avec ça on va vivre. Tout ça qui capote un changement pour le peuple, les gens ne veulent pas. Vous voyez, les gens débarquent à bateau pour venir nous piquer, pour nous dire contre l'épidémie, pour venir empoisonner nous. Mais la République dominicaine, on fait 22 ans, 25 ans, on va occuper. Je dis, c'est même la République dominicaine qui a humilié nous, qui a braché le frère d'accès nous, qui a torturé nous. Ça te fait ça. 2011 à nos jours, mais quand Michel Matelibano, il fait 80% jeunesse dans le pays invivable, frère Beto. Mon yap tiré la République dominicaine. Et j'ai un garçon 25 ans, 30 ans, 35 ans, 20 ans, oui. C'est pas mon 80 l'année, non? C'est pas mon Jean-Claude Duvalier, non? Je dis à tout Jean-Claude Duvalier, yon moun te qu'on a visité à l'étranger, tourne la caillou. T'as pas, il toujours lui parti, il est exilé. Il n'y a pas qu'à jouer pour asile, mais il est parti. Il n'y a pas qu'à jouer voyager. Mon qui voyage, c'est mon qui a visité, le tourne. Le gars fait 40 ans, il a travaillé en Babanon aux États-Unis. Il a travaillé dans l'AG, côté gros couleuvre. Voilà un galon clairé pour souffler la couleuvre, la bine sous lit. C'est grave. C'est pas l'autre bagaille, non, il y a un bali. Il y a une petite pièce pour toujours dans la couille. Il y a une petite pièce. Il y a une petite pièce pour l'air où il y a un quelqu'un qui a un monde qui a défendu. Il y a une petite pièce pour lui. Tandis qu'en Ukraine, il y a prêté 400 millions, 500 millions. Il y a pas de résidence, oui. Il craigne là. Les opilés aux États-Unis, c'est résidence sur Bayou. Il n'y a pas de résidence. Il n'y a pas de petite pièce. Il n'y a pas de petite pièce. C'est résidence sur Frio. Je dis à Mdino, nous sommes petites des salines. Quel que soit côté nous, il y a dans le pays, dans le monde là. Quel que soit côté nous, il y a dans le monde là. Il faut reconnaître nous, c'est haïtiens. Il faut ne pas humilier. La caille voisin. La caille, quel que soit blanc. Parce que je dis, si vous êtes à papa de saline de Focado, il y a le chemin-maîtresse. Quand on a humilié en République dominicaine, quand on a humilié quel que soit dans le pays où il y a, mais si vous êtes entré là, vous avez une bataille. Vous n'avez pas le courage pour continuer la bataille. Je dis à jeune garçon, 30 ans, 35 ans, même j'avais, 34 ans, 32 ans, pour qu'il s'en va une bataille, même j'avais. Vine bataille. Quand tu es là, pour abénader la humilié nous. Je dis à ma petite frère Beto, pour pas qu'être monde, c'est trahison, oui. Même si vous n'avez pas bon pour vous. Mais les pour mettre tête ensemble pour changer un peu ton changement pour pays ya yo dou yo même affaire a yo qui veut dire depuis au calivon jour matin a son sachet sèche yo a son grand avocat je dis pas qu'a son grand avocat un grand avocat qui gagne valeur à 2200 gouttes c'est grave un grand avocat qui gagne valeur ou 4 tranches ou 3 tranches 4 tranches pas on paye 200 gouttes un sachet pain ou qu'a distribuer à deux monde au moins faut acheter 200 gouttes. Je dis, ya, n'accepter de vivre comme ça, n'accepter de humilier comme ça, n'accepter nous dans la pauvreté, dans l'insécurité, dans la salubrité, comme ça. Je dis à moi-même, équipe arabe là, tout rêve moi c'est stable en dans pays, tout rêve moi c'est bataille m'a mené, tout fanatique moi gagné à l'étranger, coule l'autre bord de l'eau, yon jour pour nous citer sur même table, pour me dire oui. C'est avec nous qu'on a communiqué, ah oui. L'un sous béton, l'un dans la bataille, c'est mes équipes là devant là. Là. Je dis, sans bataille, frère Maxime, dans le Canada, assassin criminel, ça va pas sanctionner. Sans bataille, ou même Beto, sans bataille Foucault, sans bataille Mouna Fébon, sans bataille Bousta, sans bataille tant d'autres médias en ligne, on va attendre. Frappez pas ici. Très bien, Arablan, on a fini par être encore. Désolé, on va conclure pour nous. Après. Et m'a profité tout frère Mbeto pour me dire frère Maxime yo k'ap tande myo. Nous gen un programme nan pa l'autre bagaille. C'est rivé joindre moun ki pi mal yo, faire social aider moun ki pa capable yo. Pour 25 décembre k'ap vin là, nous gen jodi a gen 15, nous gen 10 jours devant nous pour fanatique nou yo.
Si portez nous, je nous capable. $1, $2, $3, $4, je nous capable. Parce que nous voulons porter un succès. Nous voulons faire malheureux, malheureux, je sens que c'est moun. Côté André Michel, tu dit malheureux, malheureux, pas la fête. Malheureux, malheureux, c'est chien. C'est ça André Michel dit. Ah, mais nous, même qui parle là. 25 décembre, n'a pas côté tigran moun yo, n'a pas côté moun qui pas capable yo, n'a pas côté ti moun yo pour nous porter des cadeaux pour yo, pour nous porter jouets pour yo. Qui te numéro téléphone là? Qui te numéro téléphone là arabe là? Pour faire sentir ces moun. Qui te numéro téléphone? Ça André Michel, ça Ariel Henry, ça Majorie Michel, ça Dedel Cassia dit. Nous même nous compter sur nous même qui dans diaspora, supporter équipe arabe là, j'en nous capable. Qui te numéro téléphone? Ça bon Dieu mettez sous que nous supporter équipe arabe là pour nous arriver réaliser programme ça. Et programme ça même bon Dieu dans celle là content d'elle garder pour nous équipe arabe là a supporter une série de monde qui pas capable. Non non comité international là. Qui te numéro téléphone? C'est qui vivent à l'étranger. C'est nous pour aider nous pour nous réaliser programme ça. Numéro téléphone arabe. Et numéro de téléphone pour les gens qui veulent entrer en contact avec nous, c'est 37 99 19 91. Arrière code là, c'est 509. Arrière code là, c'est 509 37 99 19 91. Merci, Frère Beto. Merci chacun auditeur auditrice qui t'attendait nous. Là nous finissons tendre émission, c'est pas que belle pour nous seul, partagez par chaque frère aux amis ou partisans pour le tendre, pour informer de tout ça qui passe dans le pays là. Parce que là regardez pour nous frère Beto, je dis à un assassin, un gang à diriger un pays. Chaque jour c'est mon cap mouri et on continue à massacrer mon chaque jour au jour les jours. Merci un peu. Il faut se là pour me dire au monde, nous frère, nous sommes à l'étranger pour l'entrée vite passer des vacances là. Kevin là, merci un peu l'arabe là, à bientôt. C'est moi pour remercier au frère Beto. Voilà. Ensemble avec nous c'était président équipe arabe là qui t'a fonti parler avec nous peuple haïtien.